Les expériences spirituelles et glorieuses en Jésus-Christ. Connaître et vivre les expériences spirituelles et glorieuses en Jésus-Christ. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné ce thème. Même avant notre arrivée. Les tout ce qu'on a fait là, le Seigneur nous a révélé tout avant notre arrivée. Et tout s'accomplira étape par étape. Dans la vie de ceux qui sont disposés, qui ont soif d'expérimenter ce qu'avait prédit l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, connaître et vivre les expériences spirituelles. C'est un thème très profond, hautement spirituel. Et ce thème ne pouvait pas être enseigné, révélé sans le triomphe du monde, sans la victoire sur le monde là. Vous ne pouvez même pas connaître ces choses qu'on veut enseigner maintenant. C'est parce que vous êtes victorieux sur le monde que nous voulons vous révéler ces choses. La première étape, c'est pour que vous puissiez avoir la science, savoir que vous êtes délivré, savoir qu'en Jésus, vous êtes vainqueur. Et c'est ça qui nous pousse maintenant à vivre Jésus. Dis à ton frère, si tu es délivré, dis à ton frère avec moi, si tu es délivré, si tu es restauré, tu dois vivre les expériences spirituelles. Si tu es restauré par Jésus, ta bénédiction, c'est les choses spirituelles, c'est les expériences spirituelles, c'est les réalités spirituelles, et puis la sainte doctrine spirituelle. Si tu connais la parole, tu dois la vivre. Si tu quittes l'état primaire, tu dois atteindre l'état parfait. L'heure est venue pour que nous puissions expérimenter la sainte doctrine, non pas selon la théorie, mais selon la vie. Parce que tout temps, c'est bon, tout temps tu dis Saint-Esprit, 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 Jésus, Jésus, les choses spirituelles, le Saint-Esprit, le réveil. Est-ce que tu vis le réveil? Est-ce que tu vis le réveil? Tu veux voir Jésus? Nous voulons voir Jésus. Nous allons comprendre comment nous allons voir Jésus. Et je déclare sur vous, je prophétise sur vous, depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche, vous allez voir Jésus. Vous verrez Jésus. Vous le voyez même maintenant. Pendant ce programme, le Seigneur ouvre vos yeux à expérimenter la vie du Christ, à expérimenter la vie chrétienne authentique. Et c'est ça qui vous amènera au ciel. Sans ça, sans la connaissance spirituelle, sans la connaissance des choses spirituelles, personne n'ira au ciel. Il sera compliqué pour nous d'aller au ciel si nous ne sommes pas célestes, si nous ne sommes pas spirituels sur la terre. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. Le sous-thème du jour. Le sous-thème d'aujourd'hui est comme ceci. Les premiers pas de décollage pour des expériences spirituelles et glorieuses en Jésus-Christ. Les premiers pas de décollage pour des expériences spirituelles et glorieuses en Jésus-Christ. Les premiers pas
de décollage pour des expériences spirituelles et glorieuses en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'une expérience spirituelle et glorieuse? Qu'est-ce qu'une expérience spirituelle et glorieuse? Quelqu'un pour me répondre, qu'est-ce qu'une expérience spirituelle et glorieuse? C'est quoi d'abord une expérience? Papa, c'est qu'est-ce qu'une expérience? Je vous donne brièvement la réponse. Qu'est-ce qu'une expérience? Une expérience, c'est ce qu'on a pratiqué et on a obtenu le résultat. Qui est avec nous ce soir? Qui est avec nous? Soyez vraiment concentrés. Et vraiment soyez avec nous. Même lorsque vous serez connectés au message, ce message va faire quelque chose d'abord. Vous n'oublierez jamais. Je vous dis la vérité. Vous n'oublierez jamais ce jour. Faire une expérience, c'est faire le test d'une chose pour obtenir une réalité qui est le résultat. Ok, oui, ça. Et il y a une expérience, c'est quelque chose qu'on a vécu soi-même. Ok. C'est bon, ok. Une expérience, comme il a dit, c'est un vécu. Une expérience est un vécu. Une expérience est une pratique. Alléluia. Amen. Maintenant, les expériences spirituelles et glorieuses sont des actes. Des actes. Des faits. Des réalités spirituelles vivantes qui attestent que nous sommes un avec le Seigneur. Les expériences spirituelles et glorieuses sont des actes, des faits, des réalités spirituelles qui en atteste, qui démontre que nous sommes un avec le Seigneur, l'Esprit, avec le Seigneur, l'Esprit. Je reprends. Les expériences spirituelles et glorieuses sont des actes, des faits, des réalités spirituelles qui attestent, qui témoignent ou qui démontrent que nous sommes un avec le Seigneur. C'est bon? Une expérience, c'est des actes, ça dit, c'est un acte. Une expérience, c'est un acte. C'est un fait. C'est un vécu. Vivant. Ce que nous sommes dans le spirituel. Qui atteste que tu es un seul avec Jésus-Christ. Je parle des expériences spirituelles. Ces expériences témoignent que nous sommes attachés à Jésus. En Christ, les expériences spirituelles glorieuses sont des grâces spirituelles et surnaturelles selon par lesquelles nous gravissons des étapes, des dimensions. Nous allons dans les dimensions élevées de Christ. Le Christ au moins. Alléluia. Amen. Qui me comprend? Les expériences spirituelles glorieuses sont aussi des grâces spirituelles. Jésus, des grâces spirituelles et surnaturelles de notre vie chrétienne.
Ces grâces spirituelles et surnaturelles sont une preuve. Une preuve qui nous témoigne qu'en Jésus-Christ, nous sommes en train de monter les escaliers, d'être élevé d'une manière glorieuse. Qui veut monter avec Jésus? Je vous le dis en vérité, ceux qui ne vivent pas des expériences spirituelles glorieuses aujourd'hui, ne pourront pas hériter le ciel. Je vous le dis en vérité, vous allez comprendre. Tous ceux qui croient en Jésus vivent obligatoirement, forcément, des expériences spirituelles. Ceux qui croient aux démons vivent les expériences des démons. Ceux qui croient et qui agissent selon les lois du royaume des ténèbres n'expérimentent-ils pas des choses des ténèbres? Oui ou non? Pourquoi pas nous qui sommes en Jésus? Pourquoi nous qui sommes en Jésus, nous avons cette tendance à croire que nous n'avons plus besoin de grandir en Jésus? Que le niveau où nous sommes nous suffit déjà. Parce que nous sommes aveuglés. Ou soit, nous avons des rôteurs qui s'opposent à Christ. Ou soit des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ. Qui a fait cette prière une fois? Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux vivre des expériences. Seigneur, je veux avoir des visions. Seigneur, je veux aller au ciel. Seigneur, je veux expérimenter des choses spirituelles. Seigneur, longtemps j'ai vécu une vie charnelle. Je veux grandir. Tu vas atteindre une vie. Qui a fait cette prière une fois? Qui a fait cette prière ici? Vous chacun vous avez fait la prière là. Moi ça m'a goûté là. Vous n'avez pas fait? Il m'a goûté. Vous l'avez fait? C'est l'heure maintenant de le faire. L'heure maintenant pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et vous allez voir des. Je vous dis, c'est comme des prophéties. Des prophéties. Par ces enseignements, après ce programme, votre vie va changer. Je vous dis la vérité. Moi, le Seigneur m'a montré ce qui veut se passer à d'avance. Il m'a montré tout en détail. Ceux qui sont concentrés vont vivre les réalités, les expériences spirituelles. C'est la sainte doctrine. Parce que c'est la conséquence première de notre vie. Si tu ne vis pas des expériences spirituelles glorieuses avec Jésus, tu n'es pas en intimité avec lui. Ou soit tu dis Jésus, Jésus, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Je ne parle pas à personne, je parle en général. Si tu ne vis pas des expériences spirituelles et glorieuses avec Jésus, pendant que tu crois en lui, ça montre qu'il ne te connaît pas. Ça veut dire qu'ils diront pourquoi prophétiser, pourquoi chasser les démons. Aujourd'hui, tu vas comprendre que chasser les démons, prophétiser, c'est important. Mais ce n'est pas le premier niveau pour vivre les expériences spirituelles en Jésus. Que la gloire soit due à Jésus. Qui veut vivre les expériences spirituelles glorieuses en Jésus? Qui veut vivre en Jésus? Moi je viens. Je vis encore ça. Que la gloire soit due à Jésus. Tous ceux qui ont connu Jésus-Christ et ont eu avec lui des expériences spirituelles glorieuses ont fait des actes que nous avons dans la Bible. Comment on appelle ces actes? Les actes? Répondez-moi non. Comment on appelle les actes de ceux qui ont expérimenté des choses glorieuses en Jésus? Dans la Bible, quel livre dédié tout ça? Pardon? Les actes des apôtres. C'est des choses glorieuses qu'ils ont vécues. Alléluia. Amen. Toute la Bible est l'ensemble des actes. Des expériences. Mais il y a un livre dédié pour les actes.
ou des expériences spirituelles glorieuses. Nous avons mis des actes des apôtres. Nous devons aussi savoir que tous ceux qui ont connu Jésus-Christ, sincèrement, du fond de leur cœur, ont eu à expérimenter des réalités spirituelles et glorieuses. Tous ceux qui ont connu Jésus ont eu avec lui des expériences spirituelles et glorieuses. Ces expériences spirituelles glorieuses que nous devons vivre sont des signes qui accompagneront nous qui croyons en Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? As-tu vécu une expérience spirituelle glorieuse avec Jésus? Pas tellement. Quelle est ton expérience spirituelle glorieuse avec Jésus? Qu'est-ce que tu as vécu de spirituel, glorieux avec Jésus? Waouh! Ça me dit, je suis en Jésus. La crainte de Dieu. Ok. Nous n'allons pas de ça. À part ça, est-ce que tu as vécu quelque chose d'extraordinaire avec Jésus qui t'a réveillé du monde? Jésus, je ne le ferai jamais. Il est merveilleux. Si je ne le connaissais pas, c'est que toute ma vie était perdue. Non. Imaginez une fois. Ok. Gloire à Jésus. Les esprits sont révoltés contre elle. Mais Jésus l'a délivré de la mort. C'est l'esprit. Alléluia. Vous allez tout comprendre aujourd'hui. Après aujourd'hui, nos vies seront changées. Amen. Et maintenant, nous serons fiers d'être en Jésus. Parce que tu pries dans le lieu secret, tu vas et tu pleures. Tu dis que Jésus, je suis avec toi depuis. Les gens expérimentent des choses. Mais moi, je n'ai jamais expérimenté. Les gens subissent des choses. Les gens expérimentent ça. Mais pourquoi nous, moi? Où suis-je différent des autres? Ou bien je ne connais pas Jésus encore? Ou Jésus ne me connaît pas encore? Qui suis-je encore maintenant? Est-ce qu'il me reconnaît? Ou bien ne te poses-tu pas cette question? Alors, on a bien, c'est à ton grand frère. Tu es venu. Il a pas venu. Tu auras la réponse à ta question. Et tu auras la solution à ton problème. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc, c'est des signes qui accompagnent ceux qui croient en Jésus. Les expériences spirituelles sont des signes qui nous accompagnent. Marc 16, verset 15 à 19. Ce qui est écrit ici, c'est un exemple. Ce n'est pas seulement les seules expériences spirituelles et glorieuses en Jésus. Allons-y rapidement. Marc chapitre 15, verset 16 à... Marc 16, ok. Verset 15. Marc 16, verset 15 à 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé... Non, ça, c'est quelques signes.
appareront ceux qui auront cru en Jésus. Mais ce n'est pas les seuls signes qui nous témoignent que nous avons cru en Jésus. Il y a des millions de signes. Ce sont des expériences spirituelles et glorieuses. Nous sommes comme des canaux. Nous sommes comme des vases. Nous sommes comme des moyens. Par qui Jésus compte agir en cette génération. Si son église qu'il a rassemblée, son église qu'il a formée, si son église, il a fait de cette église une église de gloire, une église glorieuse, alors tous les membres de cette église vivront des choses glorieuses. Jésus n'a pas formé une église paresseuse. L'église que nous formons n'est pas une église ignoble. Une église glorieuse, une église vivante, puissante. Et je déclare sur l'église de Toti toutes les choses que le Seigneur m'a fait voir, tout ce que Jésus nous a fait voir sur cette église s'accomplit maintenant. Une partie de maintenant, ces choses s'accomplissent au nom de Jésus. Ces choses et tous ceux qui nous suivent, ces choses s'accomplissent dans le c'est des grâces que nous recevons. C'est des grâces spirituelles. C'est des cadeaux que nous recevons. Je déclare au nom de Jésus pendant cette semaine. La semaine ne finira pas que d'autres commenceront en train de vivre ces choses. D'autres seront en train de vivre les expériences que nous parlons. Beaucoup viendront ici. Jésus s'est révélé à moi. Il m'a amené au ciel. J'ai vu ma maison au ciel. Beaucoup viendront dire Jésus m'a révélé ceci. Jésus m'a fait ceci. Jésus m'a envoyé un ange. Jésus s'est révélé à moi. J'ai vu les choses du ciel. Plusieurs viendront ici et diront oui, à partir d'aujourd'hui, ma vie a difficilement changé. Plusieurs crieront, plusieurs même viendront avec des cris de joie. Je vois même des personnes venir avec des cris de joie. Plusieurs avec des cris comme des bébés, des enfants. Ils ont dit, ah, j'ai vu Jésus. Jésus s'est révélé à moi. Il m'a parlé de la repentance. Il m'a parlé de la sainteté. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ah, il m'a dit que voici comment mes prières montent. Voici comment je suis en intimité avec lui. Jésus est venu, il est venu me booster. Si vous vivez ces choses-là, vous marchez de gloire en gloire. C'est ça la dernière phase de notre programme ici. Le premier, c'était accompli. Cette phase, il a encore accompli. Déjà, nous n'avons pas encore commencé cette phase. Et l'autre semaine, plusieurs ne vont pas témoigner des expériences glorieuses. Cela montre que cette phase, les choses glorieuses sont en train de se passer. Les choses glorieuses sont en train de passer. Et si cette phase, l'ennemi, il s'est levé. Pour que nous n'utilisons pas les instruments comme d'habitude. Pour que le roi ne se lève pas, sachez que le combat est fort. Parce qu'ils savent que la gloire de Dieu veut se révéler. Ils savent que la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Alors, fortifie-toi et persévère. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, et si nous disons que la foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu crois et qu'on ne voit pas les œuvres, ta foi est morte. Si tu crois et que Jésus, que tu sais là, tu ne t'as jamais parlé, ou toi-même tu ne parles pas avec lui, ou soit que Jésus, ça dit tu ne. Tu n'es pas comme son enfant. Tu n'es pas pour lui un fils. Il ne te considère pas. Cela montre qu'il y a un problème. Nous allons résoudre ce problème par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Les expériences spirituelles sont des œuvres qui attestent leur foi et qui confirment que nous avons reçu l'évangile et que le Saint-Esprit habite en nous.
C'est une obligation. C'est une obligation de vivre les choses spirituelles. L'homme spirituel ne vit que des choses spirituelles. L'homme charnel ne vit que des expériences charnelles. Es-tu un homme spirituel? Je te dirai quel type d'expérience tu vivras dans ta vie chrétienne. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne vivras jamais des choses spirituelles. Colossiens 2, verset 1 à 4. Colossiens chapitre 2, le verset 1 à 4. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul. C'était le combat. C'est-à-dire, l'écriture dit que je veux en effet que vous sachiez combien grand le combat que je soutiens pour vous. Pour ceux qui sont à la Odyssée, qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Qu'il soit uni dans la charité. Et enrichi. Vous voyez, enrichi d'une pleine et intelligence pour connaître le mystère de Dieu. L'Église doit connaître le mystère de Dieu. Quand tu as cru en Jésus, tu as reçu une parole. Tant que tu demeures sur cette parole, et que tu ne changes pas, tu ne montes pas dans ton intimité avec Jésus, tu ne peux connaître tout le mystère de Christ. L'apôtre Paul prie et soutient un grand combat pour l'Église, pour le peuple, afin que ce peuple parvienne à une richesse spirituelle, que ce peuple parvienne à une pleine intelligence afin de connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Veux-tu connaître le mystère de Dieu? Veux-tu connaître le mystère de Dieu? Veux-tu connaître Christ? Veux-tu connaître Christ? Nous allons connaître Christ dans toute cette dimension. C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. Alléluia. Amen. Lisons maintenant 2 Corinthiens 4, verset 5 à 7. 2 Corinthiens 4, verset 5 à 7. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5 à 7. Je lis au nom de Jésus. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Amen. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et que nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Il dit, la lumière brillera au sein du sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Pour faire quoi? Resplendit la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. On a dit, il faut que vous soyez pleins. Vous me suivez? Vous me suivez? Là-bas, on a dit, il faut que vous soyez remplis d'intelligence
et enrichi d'intelligence spirituelle. D'intelligence et savoir le mystère de Christ. Mystère caché. Mystère regorgeant tous les trésors. Ici, on nous dit qu'il est important que la lumière de Christ brille dans nos ténèbres. Et que cette lumière a fait briller, ça vient révéler la lumière et que ça fait briller la lumière dans nos cœurs. Cette lumière a fait quoi? Resplendit la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Certes, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Gloire à Jésus. Acclame Jésus. Les premiers pas de décollage pour des expériences spirituelles et glorieuses en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas connaître ces premiers pas sans pourtant comprendre ces réalités que je vais vous présenter dans la parole. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes en train de comprendre que c'est des chrétiens qui doivent vivre ces expériences. C'est nous qui croyons en Jésus comme l'avons dit, ou bien qui devons vivre ces expériences. Alors, est-ce que ce sont les animaux qui vont vivre ces expériences? Est-ce que c'est les animaux? Est-ce que c'est les objets? Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est le ciel? C'est qui alors? C'est qui? C'est nous, non? Nous les hommes. Alors nous devons savoir qu'il y a trois types d'hommes. Trois types d'hommes sur la terre. C'est là que les choses commencent. Notez avec moi, soyez concentrés. Nous allons expliquer certaines choses qui vont créer en vous la soif de vivre les expériences spirituelles. Il y a trois types d'hommes que vous devez connaître et vous identifier et savoir à quelle position vous êtes parmi ces trois types d'hommes. Alléluia. Amen. Premier, nous avons l'homme animal. L'homme animal. Deuxième. Qui me dira le deuxième? L'homme. J'ai dit trois. L'homme charnel. Troisième type d'homme. L'homme animal. Et l'homme spirituel. Il y a trois hommes. Homme. Animal, homme charnel, homme spirituel. Trois types d'hommes. Et nous savons que quel type d'homme a besoin de vivre les expériences spirituelles. Et nous saurons quel est l'état spirituel de l'homme qui vit continuellement, régulièrement. Les expériences spirituelles et glorieuses en Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'homme animal? Nous gagnons ton femme. Lisons vite 1 Corinthiens 2, verset 13 à 14. Soyez rapide. 1 Corinthiens 2, verset 13 à 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13 à 14. Mm-hmm. Je lis au nom de Jésus. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Là, pourquoi est-ce qu'on peut c'est-à-dire les réalités du monde, le monde gouverné par la sagesse de Satan, par rapport à ceux qui appartiennent à Jésus, qui marchent selon la sagesse de Dieu. Il dit, un prononce des discours persuasifs de la sagesse humaine.
Il dit aussi quelque part, l'homme ne peut connaître les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en lui, c'est l'esprit humain de l'homme que nous avons qui nous permet de connaître les choses de l'homme. Est-ce, ou bien? Alors, il dit encore après que nous sommes en Christ, nous sommes en Christ. Nous avons reçu des grâces. Des choses que l'œil n'a point jamais vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé et destiné à ceux qui l'aiment. Lis-moi le verset, le chapitre 2, lis le verset 9. Verset 9. Mais comme il est écrit. Comme il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Que l'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. Des choses que Dieu a préparées. Pour ceux qui l'aiment. Je déclare sur toi cette semaine des choses que l'œil n'a point entendues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Dieu te l'a préparé. Et tu le vivras au nom de Jésus. Tu le vivras au nom de Jésus. Tu entendras ces choses que l'œil n'a point jamais entendues, qui ne sont jamais montées de l'homme. Tu verras des choses que l'œil n'a point vu. Tu les verras. Parce que c'est pour toi que ce sont. Tu as dit que le Saint dit quelque part. Pas le verset. À ceux qui l'aiment. Seuls ceux qui aiment Jésus vivront ces choses. Amen. C'est là nous allons. Ça, c'est l'étape où nous allons. Mais avant ça, tu dois connaître ce qu'est l'homme animal. L'apôtre nous dit encore dans le verset 13. Il nous dit, et nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Je déclare sur toi par Dieu. Tu emploies un langage spirituel. Amen. Des choses spirituelles. Amen. Tu n'utiliseras plus un langage charnel. Donc il s'agit des choses spirituelles. Amen. Tu parleras un langage hautement spirituel. Amen. Pour des choses spirituelles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et le verset 14. Amen. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement juge. L'homme animal ne peut recevoir. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Si dans l'église, depuis que tu connais la vérité, tu ne supportes pas toi, en toi les choses de l'esprit de Dieu, tu es encore animal. Tu n'as pas encore Jésus. Jésus n'habite pas encore en toi. Ou soit tu es un homme charnel. Tu mélanges Jésus avec les raisonnements de la chair. Tu mélanges Jésus avec des raisonnements, des limitations charnelles. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'homme animal alors? Qui est l'homme animal? Oui. Non, ça c'est ce que le verset dit. Moi, je ne veux pas ça. J'ai pas dit qu'est-ce qu'un homme animal est. J'ai dit qui est l'homme animal. Mais quel est ton bambo? C'est différent, non? Oui. Qui est l'homme animal? Mais quel est ton bambo? Oui. J'ai même dit ça dans mon définition du Suisse. Oui, le païen. Dis-moi, pourquoi c'est le païen? Dis-moi, affranchi comment?
Ok, c'est bon. Gardez ça d'abord. L'homme animal, c'est celui-là qui n'a pas Jésus en lui. Ok. L'homme animal, c'est celui-là qui agit selon la chair. Il y a trois choses. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, là, on ne peut même pas dire. La chair l'a dominé totalement. Lui, il a accepté la chair. Lui, il n'a pas encore Jésus. Pourquoi? Nous avons dit que quand nous lisons 2 Corinthiens 3, 17, il est écrit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, dans Philippiens 2, on dit que Jésus-Christ est Seigneur. Tout ça montre que si tu reçois Jésus, tu reçois l'Esprit. Celui qui reçoit Jésus, il a de recevoir l'Esprit. Quel Esprit? L'Esprit de Dieu. Il reçoit le pouvoir spirituel de la parole. Et c'est l'Esprit de Dieu qui reçoit. Maintenant, celui qui est animal, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alors, par quel moyen, par qui nous recevons les choses de l'Esprit de Dieu? Et tout le monde a dit mais par Jésus. Donc, si on dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, cela veut dire que l'homme animal, il n'est pas seulement charnel. Il n'a pas accepté Jésus. C'est Jésus qui donne les choses spirituelles. Puisqu'il n'a pas encore accepté Jésus, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas spirituel. Il est charnel, mais ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Il est dominé par quoi? Pas les ténèbres, mais son âme et son corps dominent son esprit. Dieu sait que l'âme et le corps, c'est la chair. Les œuvres de la chair ont dominé sur lui. Maintenant que les œuvres de la chair ont dominé sur lui, il n'a pas cette possibilité d'accéder aux choses spirituelles de Dieu. Il ne peut pas. Il continuera toujours errer, mais ne vivra jamais les choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez? C'est compris? Donc l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Comment on reçoit les choses de l'Esprit de Dieu? C'est en recevant Jésus. Celui qui croit en Jésus, il avait dit qu'il est en Christ. Si nous sommes en Christ, en Christ, c'est l'Esprit de Dieu opérant dans le monde. Donc l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que ces choses lui sont une folie. Il ne peut pas les connaître. Il ne peut pas recevoir. Parce que c'est Jésus qui parle. Donc il est animal. Son âme, son corps le domine. Il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Puisqu'il ne peut pas recevoir Jésus, tant qu'il demeure homme animal, c'est pourquoi nous disons qu'il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est un homme animal. C'est bon? Gloire à Jésus! Qui est l'homme charnel? Maintenant c'est clair, vous allez comprendre maintenant. Qui est l'homme charnel? Lisons d'abord. Oh non, si je lis, je vous lis le verset, vous allez plus comprendre en même temps. Je veux pousser votre réflexion, votre intelligence. Je vais vous expliquer l'homme et animal. Et la sœur même vous a aidé. Elle a donné une définition. Et j'ai dit non. Elle a répondu si autre chose. J'ai dit non. Maintenant que vous connaissez l'homme spirituel, je crois que il est. Maintenant que vous connaissez la définition de l'homme animal, vous connaissez l'homme charnel. Qui est l'homme charnel? Non, pas le même frère, la sœur. Voilà, acclame Jésus. Pour moi, l'homme charnel, c'est celui qui vit selon ses pensées. Et celui qui est l'homme animal, il ne vit pas selon ses pensées. Il ne vit selon ses pensées. Alors, quelle est la différence selon votre pensée?
Donc, il y a. Ok, je vais vous écrire. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un d'autre? Oui, maman. Ok, nous, voilà. Nous tiens en bas, mais il y a un mec qui croyait sous voir. Nous tiens la balle, puis il dit allô. Il n'a pas au Jésus. Lui n'a jamais le Saint-Esprit. Yeah, l'homme animal. L'homme Chanel, lui l'a reçu Jésus une fois. Et a reçu le Saint-Esprit une fois. Et a reçu les choses du Saint-Esprit une fois. Mais il ne les expérimente pas. Il n'expérimente pas les choses du Saint-Esprit. Soit il expérimente un peu aujourd'hui. Demain, il n'expérimente pas. Il tombe dans la chair. Donc l'homme animal et l'homme Chanel ont deux éléments qui les caractérisent. Ont deux choses similaires. C'est que les deux vivent selon la chair. Seulement que l'homme animal n'a pas Jésus. N'a pas le Saint-Esprit. Mais l'homme Chanel a reçu une fois le Saint-Esprit. Il vit encore selon les raisonnements de la chair. Il mélange Jésus ses propres pensées. L'homme animal ne mélange pas Jésus ni ses pensées. Il est livré à lui-même. À ses propres pensées. À ses propres raisonnements. L'homme Chanel a un peu de Jésus et un peu du monde, ou bien pas du monde, mais seulement un peu de ses propres chaque raisonnement. Il ne vit pas les expériences spirituelles en Jésus. Jésus, il a aussi Jésus. Lui connaît Jésus. Il pense qu'il connaît Jésus, mais Jésus ne le connaît pas. Il prie. Jésus agit dans sa vie. Un peu après, sa vie devient encore monotone. Sa vie, l'homme Chanel, sa vie ne monte jamais. Depuis qu'il a reçu Jésus là, il est ici. Il est venu comme ça. Il ne monte jamais. Il est la même personne. Si depuis un an que tu as reçu Jésus, ou je parle de la stable, d'abord la sainte doctrine, tu es encore la même personne. Spirituellement, tu es encore jamais. Si tu es la même personne depuis que tu as reçu la parole jusqu'à aujourd'hui, ça montre que tu es encore Chanel. L'homme Chanel dit Jésus, je n'ai plus besoin de toi, reste là. Je ne veux pas ton élévation spirituelle. Jésus, je préfère moi-même créer un autre chemin pour moi-même. Comme vivre en intimité avec toi est difficile pour moi. Moi, l'homme Chanel, lui aussi ne supporte pas les choses de l'esprit de Dieu. Il a Jésus, dit Jésus. Il ne supporte pas les choses de l'esprit. L'esprit de Dieu a tracé une voie pour aller au ciel. L'esprit de Dieu a tracé un chemin spirituel pour des choses spirituelles. Mais lui dit, non. C'est difficile de vivre les choses spirituelles. Je préfère m'attarder sur les choses charnelles. Là au moins, lorsque je satisfierai ma chair, j'aurai une place au ciel. Voilà comment l'homme charnel parle. Lorsque je ferai tout, c'est-à-dire je vais organiser mon monde à moi. Et j'obéirai à mes propres lois. Chanel, j'irai au ciel. Et le Seigneur dira à l'homme Chanel, je ne te connais jamais. Il a reçu Jésus une fois. Hein. Il parle au nom de Jésus. Hein. Il fait les choses au nom de Jésus. Mais le Seigneur lui dira, je ne te connais jamais. Il sera semblable à l'homme animal. Parce qu'il crée un autre chemin pour aller au ciel. Pour atteindre le ciel. En laissant les choses de l'esprit. Veux-tu aller au ciel? Passe par le chemin. Des choses spirituelles. Et Jésus qui lèvera. Nous sommes en train de monter sur les escaliers qui nous amèneront au ciel.
Nous sommes en train de monter des escaliers. Lisez-moi le livre de 1 Corinthiens 2, verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Je dis au nom de Jésus. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre dit, ce n'est pas à des, comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Apôtre Paul, le globe n'a rien, non, bio, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Je ne sais pas qui tu es dans l'église. Parce que l'église, c'est comme un lieu qui peut prendre n'importe qui. Mais le corps de Christ ne prend pas en compte des hommes animaux ou des hommes charnels. L'église, c'est le rassemblement de ceux qui croient en Jésus. L'assemblée peut contenter n'importe qui. C'est à toi de savoir qui tu es dans l'église. Es-tu un homme animal ou un homme charnel ou un homme spirituel? Un enfant en Christ, ceux qui est enfant, mais quand il y a des vies, encore un homme charnel. Le type d'homme que tu es, ou bien plutôt, les raisonnements que tu émettes et les déclarations qui sortent de ta bouche, le vécu quotidien de ta vie chrétienne définissent et déterminent le type d'homme que tu es dans l'église. Les vécus habituels, les conditions dans lesquels tu te retrouves. Les réalités que tu vis. Régulièrement ou quotidiennement. Détermineront. Elle a des copiens. Le type d'homme. Elle a des amis que tu es. Dans l'église. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Je te dirai le type d'homme que tu es. Qu'est-ce qui sort de ta bouche spirituelle? Je te dirai le type d'homme que tu es. Si tu n'es pas, si nous ne sommes pas spirituels, nous n'irons pas au ciel. Les hommes animaux n'iront pas au ciel. Les hommes charnels n'iront pas au ciel. Seuls les hommes spirituels iront au ciel. Les raisonnements que tu aimais. Les raisonnements que tu aimais. Le niveau de compréhension de la parole. Définissera. Démontrera. Le type d'homme que tu es. Elle a des choses. Les hommes charnels ont l'habitude de dire quelque chose. Ils sont en partie. Nous connaissons parti et que nous produisons parti. Nous n'avons plus besoin de connaître encore. Tu dis ça souvent. Chacun comme nous connaissons parti, donc il connaît aussi à parti. Je connais aussi à parti. On sait que avec ces connaissances à parti, il y a aussi. Nous connaissons parti parce que la connaissance souveraine appartient à Dieu et puissante appartient à Dieu. Néanmoins, nous sommes appelés sur terre à connaître toutes les dimensions de Christ. L'homme charnel se limite au premier niveau. Depuis qu'il a cru en Jésus, les premiers enseignements qu'il a reçus, il est toujujours sur ça. Il est retourné sur ça. Pensant que la voie du ciel, le chemin de la vie éternelle, se limite qu'à ça.
Si tu es comme ça, tu es encore chargé. Tu es encore bébé ou encore enfant. On appelle ça bébé spirituel. L'homme charnel ne veut plus écouter. L'homme charnel ne veut plus grandir. C'est comme l'escalier. Il monte, c'est 6 pas. Il fait un peu. Il est fatigué. Il dit, je préfère rester comme ça. Parce que c'est mal. C'est l'essentiel. Je préfère rester sur l'essentiel. Je ne veux pas grandir. Je ne veux pas atteindre le ciel. Je préfère rester sur les choses de la terre. Je préfère rester sur les premiers rudiments du Christ. Et lorsque la tempête s'enlèvera, puisque je suis dans l'essentiel, j'irai au ciel. Tu te trompes, hein? Nous allons lire les écritures, tu verras. Si ce raisonnement te conduit au ciel, après cet enseignement, tu auras la soif de découvrir Jésus. Tu es Jésus. Tu connais Jésus. Ce n'est pas encore fini. Le jour où tu dis que je connais tout de Jésus, c'est en ce moment que Jésus te dira, tu ne connais encore rien. Je te dis la vérité. C'est le moment où tu penseras qu'on est du ciel. Tout de la vie chrétienne. Tout de la sainte doctrine. C'est en ce moment que le ciel te dira, il est loin de moi. Je te parle ici en tant que docteur de la sainte doctrine. La sainte doctrine que tu as reçue au prime abord, c'est une étape. Ce n'est pas encore tout. C'est un niveau, un premier élément. C'est la première étape décollée. Mais ça, la vie chrétienne ne se limite pas comme premier rudiment. Ces éléments t'ont permis d'avoir un fondement. Si on construit un bâtiment là, non, tu crois. Est-ce qu'on reste toujours sur le fondement? Si on reste sur le fondement, comment on pourra habiter? Comment on pourra bâtir? Le quartier, tu vois? Oui, tu as reçu le premier fondement. Non. Mais il faut construire ta vie. Amen. Celui qui reste sur le fondement, les premiers éléments, pendant que pas penser avoir fini toute la séance. A raté, en train de rater. Elle est dans la construction de sa maison. Elle est d'ailleurs en train de rater. Elle est en train de rater. Elle est dans les grandes choses. Et nous, quand qui ont été données pour construire sa maison. Le verset 9 nous dit quoi? 2 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 9. Que ce sont des choses que l'un n'a point vues. Que l'un n'a point jamais entendu. Que Dieu nous a destinés à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Ces choses-là, oui, on appelle les richesses que Dieu nous a données par sa grâce. Les richesses que Dieu nous donne par sa grâce. C'est ça les expériences spirituelles qui nous permettent de voir des choses que nous n'avons jamais vues. D'entendre ce que personne n'a jamais entendu et de déclarer des choses qui ne sont pas permises à l'homme. Ça, c'est les éléments de construction de notre maison. Ça des expériences spirituelles. Je ne parle pas des expériences naturelles. Non. Parce que les expériences naturelles ne peut jamais construire notre vie spirituelle. Dieu est esprit. Nous, nous sommes aussi esprit. Si Dieu est esprit, et que moi aussi je suis esprit, les expériences que je vivrai dans ma relation avec l'esprit sera toujours des expériences spirituelles. C'est ça qui prouve que je suis esprit. Gloire à Jésus. On continue là-dessus. 2 Corinthiens 3. Pour être, tu vas faire le bilan, tu as C'est ça en lisant, non? Oui, oui. On continue comme vous pouvez. D'accord. 2 Corinthiens 3, partie du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Ouais, des enfants en Christ. Les vieux, les plus souvent. Et souvent j'entends, nous sommes des enfants, hein, nous sommes des bébés spirituels. Donc, d'autres ont même l'honneur de le dire, nous sommes des bébés, parlez doucement avec nous, utilisez un langage et terre à terre avec nous. Non, 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 non. Ça c'est le lait.
Est-ce qu'un bébé, quand un bébé naît là, il pense d'abord quelle nourriture? Est-ce que lorsqu'il grandit là, toute sa vie serait, dans toute sa vie, sera en train de prendre le lait, Si, et lorsqu'il commence à croître, il continue à prendre le lait. Mais comment serait-il solide? Ah, nous savons très bien que le bébé, lorsqu'il devient enfant et commence à grandir, il peut prendre, l'enfant peut prendre du lait. Oui. Mais il ne passera pas toute sa vie à consommer du lait. Ah non, l'enfant en Christ veut toujours des petits enseignements. Des enseignements qui ne sont pas solides. L'enfant en Christ veut toujours les béabas. Quand toi tu seras toujours dans les béabas là, les autres seront dans X, Y, Z. Quand toi tu seras te dire, pardonnez-nous. Asseyez-nous les béabas. Les béabas. Nous voulons toujours les béabas. D'autres seront en train de dire, nous voulons découvrir ici Jésus. Qui ne connaît pas les béabas ici? Connais-tu les béabas? Connais-tu les béabas? C'est ça le lait, les béabas. C'est ça les premières étapes. C'est ça les premières étapes. C'est indispensable pour tout enfant. Quand l'enfant est là, c'est le lait qu'on lui donne. Non? Les béabas sont importants pour le premier niveau de la vie chrétienne. Maintenant, quand tu veux devenir grand là, ce n'est plus le lait que tu vas te faire grandir. Non. C'est ça la nourriture solide. C'est ça qui nous transformera. C'est ça qui nous amènera au ciel. Parce que le premier fondement nous a boosté à un niveau. Vous voyez, mais l'autre nous maintient en Jésus. La nourriture solide nous maintient en Jésus. Elle nous envoie lorsqu'on a trouvé son erreur. Les deux sont importants. Mais on ne restera pas toujours au lait. Si vous êtes toujours au lait, il sera difficile pour vous d'être des hommes spirituels, de vivre les expériences spirituelles. Qui comprend? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Donc, à mon avis, dit, ce n'est pas des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Qui est un enfant? Qui veut toujours enfant en Christ ici? Qui veut toujours être enfant en Christ? Oui, tu as été enfant en Christ. Mais est-ce que tu seras toujours enfant en Christ? Maintenant, qu'est-ce qui te permettra de devenir grand en Christ? N'est-ce pas la nourriture? Mais la nourriture doit changer. Quand l'âge augmente là, la nourriture doit changer. Ah, ou bien la nourriture sera la même. Beaucoup parmi vous veulent la même nourriture. Nous, c'est ça, se prêcher, nous ça seul et nous serons au ciel. Non? Et c'est pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup cherchent, c'est-à-dire abandonneront la sainte doctrine et ont la démangeaison pour des choses agréables. Le verset 3. C'est ça, non? 2 Timothée 4, le verset 3. C'est ça, non? 2 Timothée 4, 3. Lisez-moi. 2 Timothée 4. C'est bon? 2 Timothée 4, 3. Sors rapide. 2 Timothée 4, 3. Je lis au nom de Jésus. Car il viendra un temps. Écoutez bien. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous voyez les hommes. Qu'est-ce que c'est dont on peut parler ici? Est-ce les hommes animaux ou les hommes charnels? Est-ce l'homme animal ou l'homme charnel ou l'homme spirituel? Quelqu'un qui donc ne supportera pas la saine doctrine. Mais quand on va cet homme Chanel a déjà cru en Jésus une fois. Il a pris une partie de la sainte doctrine. Il connaît une petite partie de la sainte doctrine. Et ça l'a permis d'être sur le fondement. Mais lorsque le temps commence pas,
Et que des nouvelles saisons commencent à arriver. Il a commencé par avoir la démangeaison. Des choses qu'il a écoutées premièrement. Il veut toujours. Parce que il veut toujours être bébé. Je veux toujours être là. Je ne veux pas monter. Parlez-moi des choses de Biaba. Parlez-moi des choses. Des choses en terre à terre. C'est bien. C'est pas là que tu as commencé la foi. Mais pour que ta foi, ton esprit grandisse là, tu ne resteras pas toujours là. Tant si tu restes toujours là, Jésus cherchera à faire des grandes choses dans ta vie. Jésus cherchera à t'amener dans des dimensions spirituelles élevées. Mais pas tes raisonnements. Tu seras difficile, compliqué, qui agisse par toi, qui l'opère par toi et qui démontre son œuvre par ta vie. Jésus n'est pas loin de nous. Yes, mais ce sont nos raisonnements qui le chassent. Tu as mangé la nourriture, le lait. Maintenant, tu mangeras la nourriture solide. Toute ta vie chrétienne, tu mangeras la nourriture solide. Mais pendant que tu mangeras la nourriture solide, n'oublie pas le lait. Parfois, même si on mange la pâte, on prend le lait le matin. Mais ne passe pas toute ta vie à manger, à boire le lait. Mange une nourriture équilibrée. Le lait, c'est le fondement. Le lait, c'est le premier niveau. Mais la nourriture solide, c'est le haut niveau. Quand tu es au haut niveau avec Jésus, dans ta relation avec Jésus, veux-tu aller au haut niveau? Personne, les gens ne veulent pas aller au haut niveau. Veux-tu aller au haut niveau? Moi, je vais au haut niveau. Je vais au haut niveau. Au haut niveau même. En réalité, ceux qui sont au haut niveau, là, c'est Jésus qui vient enlever. C'est ceux qui sont au haut niveau que Jésus viendra enlever. Amen. C'est pas ceux qui sont au B, à bas, bas, à B. Au B, à bas. Ils sont, oui, c'est le B, à bas, c'est bon. Ça nous permet de c'est comme le décollage. De l'avion, non. L'avion, là, tu vois. Ça fait fou. Mais toi, tu es toujours là. Et tu mets un goût. Tu mets un goût. Moi, tu es là. Mais ceux qui vont pour ça. Vous, comme ça, c'est eux qui iront. C'est eux qui sont au haut niveau. Le tien de haut niveau. Il dit qu'on dit église glorieuse. On va finir ce séminaire et que vous, votre cœur est vraiment disponible. Vous ne pouvez même pas vivre des expériences pas possibles. Les hommes de Dieu sont même impressionnés par les témoins qui viendront. Eux-mêmes vivront beaucoup d'expériences spirituelles. Et l'église va croire. Le diable a peur. Je vous dis avec lui. Le diable a peur des églises où la nourriture solide est enseignée. Le diable a peur des églises. Parmi elles, les brebis croissent davantage d'une manière renouvelable. Le diable a peur de ces églises. Je vous dis avec lui. Il a peur des églises qui. Qui grandissent spirituellement. Il y a une différence entre grandir matériellement, grandir visiblement, et avec le fait de grandir spirituellement. Tu t'habilles très bien. Ça, c'est l'extérieur, c'est superficiel. C'est important. C'est superficiel. Spirituellement, est-ce que ton homme intérieur grandit? Est-ce que ton homme intérieur grandit? Nous devons travailler pour que notre homme intérieur, notre esprit, grandisse. Autant que nous travaillons à l'extérieur, n'oublions pas l'intérieur. L'homme intérieur est l'esprit. L'esprit a besoin de nourriture. Et la nourriture de l'esprit, c'est deux nourritures. On appelle le premier le lait spirituel, le second la nourriture solide. Veux-tu la nourriture solide? L'homme Chanel
s'est habitué totalement à la lutte, au lait spirituel. Ah, il ne veut plus. Pourquoi il est trop jeune? Il est limité. Il s'est limité lui-même. Ce n'est pas Jésus qui t'a limité. Je te le dis en vérité avec des églises. Ce n'est pas Jésus, le très haut, le Saint-Esprit, qui t'a limité dans la stagnation. Dans la stagnation, ce n'est pas Jésus. Tu fais comme ça, tu te retournes en arrière. Ta vie ne tourne, c'est ton goût. Comme ça. Il ne tourne en rond, il tourne en rond. Il ne marche pas tout droit. Il tourne en rond. Parce qu'il est scolaire. Il est dans la sainte doctrine, mais il ne grandit pas spirituellement. Il n'a pas une intimité avec Jésus. Il n'a pas une relation avec Jésus. Il ne prie pas. Il n'a pas la soif des choses spirituelles. Il n'a pas la soif des choses en haut. Toujours parlez-moi du lait. Et quel prédicateur vient enseigner sur les révélations, les mystères, les choses d'en haut, les réalités spirituelles? Comment grandir avec Jésus? Comment atteindre dans une nouvelle dimension spirituelle? Lorsque les choses spirituelles commencent à être révélées, l'homme chané commence à... Non, c'est quoi ça? Non, c'est dur, c'est trop dur. Nous ne pouvons pas comprendre. Ça, c'est être charnel. La rendue non solide, est-ce que c'est douce? D'abord, la rendue solide là. C'est une rendue faible. On dit solide. D'abord, quand on dit solide là, c'est d'abord du nom. Et ça brise. Et au bana. C'est ça la rendue solide. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Ouais. Le comportement que vous aurez vis-à-vis des prédicateurs sera même l'élément motivateur du message que vous recevrez. Vos comportements et vos raisonnements que vous admettrez davantage à l'église vous seront des messages qui seront à votre cause. Maintenant que les hommes de Dieu sont dopés, comme depuis ils sont en train d'être renouvelés davantage, ils vont vous enseigner le lait. Vous ne resterez plus au lait. Ils ont la démangeaison. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les choses agréables, je ne te parle pas, ce n'est pas les choses spirituelles. Ce ne sont pas les choses du royaume des cieux. L'homme Chanel a du mal à monter. Il ne veut pas monter. L'homme Chanel là. Il a une difficulté d'expérimenter le spirituel. Parce qu'il va perdre ça. Il aime trop sa chair. Il aime trop les choses du physique. Il aime trop l'apparence extérieure. Il aime trop parler trop de la satisfaction de sa chair. Il n'est que basé sur la vue. Sauf son regard n'est pas spirituel. Donc, les choses agréables qu'il que lui veut là. Qui ne vont pas nourrir son esprit, qui affaibliront son esprit et glorifieront sa chair. Oh, la nourriture solide affaiblit la chair et glorifie l'esprit. Élève l'esprit. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous donne la nourriture solide pour élever votre esprit, pour grandir spirituellement. Et lorsqu'il faut, il viendra à sa rencontre. Vous aurez la facilité d'aller au ciel. Gloire à Jésus. C'est bon, non? Ok. Je vous ai donné du lait, Corinthiens 3, 2. Non, la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Si vous êtes encore charnel, il sera difficile d'avoir la nourriture solide. Vous avez envie de conduire les hommes de Dieu à vous enseigner que les choses de la. Du lait. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je crée en toi la soif de la nourriture solide. Je crée en toi la soif
ou la fin de la nourriture solide. Amen. Tu reçois la fin de la nourriture solide. Amen. Toujours tu seras en prière. Amen. Seigneur, donne-moi la nourriture solide. Amen. Seigneur, je veux grandir. Amen. Vous verrez qu'à partir de ce programme, Amen. Ce ne sera plus seulement Amen. Les hommes de Dieu Amen. Qui vous donneront de la nourriture Amen. Solide, Amen. Mais Jésus-Christ Amen. Lui-même, Amen. Jésus l'homme, viendra Amen. Vous enseigner. Lui-même viendra vous Amen. Donner la nourriture solide. Amen. Je le tiens à vérité à vérité. Il viendra lui-même vous donner la nourriture solide. En plus de ce qu'il donne, c'est ce que le Seigneur fait. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Et il dit quelque part. En effet, ouais, les hommes chalés là, ils sont de la jalousie. C'est dans l'église, hein? C'est pas les hommes animaux, hein? C'est pas l'homme animal. En effet, puisqu'il a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas chanel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? N'êtes-vous pas chanel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Les disputes inutiles, les jalousies, ça, c'est les yeux de la chair. Gloire à Jésus. Alléluia. Tant que l'homme demeurera orgueilleux, parce que ce qui empêche l'homme chanel de devenir spirituel, c'est l'orgueil. En réalité, tu peux croire en Jésus et ne pas être un homme spirituel. Être homme spirituellement charnel. Spirituellement charnel. Mélange. Tu es charnel. Il n'y a pas mis dans les choses spirituelles. Soit tu es spirituel, soit tu es charnel. Vous voyez? Donc, tant que l'homme demeurera orgueilleux face aux choses spirituelles, il ne diffère rien de l'animal. L'animal est toujours orgueilleux. L'homme animal est celui qui a refusé Jésus. Maintenant, celui qui est en Jésus là, mais qui refuse de vivre les réalités spirituelles en Jésus. Les réalités, les faits, les expériences. Celui qui est en Jésus, Amen. Qui refuse de recevoir les choses spirituelles, de vivre les choses spirituelles, ne diffère rien de l'homme animal qui n'a pas encore Jésus. C'est compris? Oui. Alléluia. Amen. Par cette animosité, il est difficile pour lui de recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui tu vas beaucoup prier pour l'orgueil, Nous allons casser ça aujourd'hui. C'est le premier niveau. Quand ça arrive à te briser là, Jésus, toi et Jésus, vous allez être un. Vous allez travailler ensemble. C'est l'orgueil en réalité. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Tant que l'orgueil demeurera, tant que l'homme demeurera orgueilleux, je parle de l'homme charnel, face aux choses spirituelles, face aux réalités spirituelles qui sont vraies, il ne diffère en rien de l'homme animal. Par cette animosité, il ne peut recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, car il est encore charnel, surtout lorsqu'il ne veut pas changer. Ceux qui dorment charnel n'ont aucune soif du spirituel. Il n'a aucune soif du divin. Il n'a même pas soif du surnaturel de Dieu. Pas
son négo, et son orgueil. Son orgueil, il ne peut les connaître. Par son orgueil, il ne peut même pas connaître les choses spirituelles. Ni les comprendre. Tant qu'il s'attache et s'affectionne aux choses de la chair. Tant qu'il s'affectionne au béaba. Tant qu'il s'affectionne au langage terrestre. Tant qu'il s'affectionne à ses propres désirs. À ses propres désirs. En donnant du plaisir. À la gloire corruptible. Un vain orgueil. À au plaisir de son homme extérieur. Tu as de comprendre le type d'homme que tu es. Quoi que tu sois de la sainte doctrine, tu as de le comprendre peu à peu. Ou bien. Allô. Peu à peu, viens de le comprendre. Bien, elle est gestée. À mes cœurs pour me venir la même tonne. Je déclare que tu ne sois plus ce type d'homme. À partir d'aujourd'hui, Jésus te donne cette connaissance. Il t'amène aux choses spirituelles. Tu deviens spirituel. Un homme spirituel. Tout ça vous enseigne aujourd'hui, c'est le décollage. C'est ce qui vous permettra de vivre les expériences spirituelles en Jésus. L'homme animal ne supporte pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme chaleur ne supporte pas. L'homme chaleur mélange les choses spirituelles et les œuvres de la chair. Il est gouverné par ses propres désirs. Il oblige les prédicateurs à donner un enseignement selon sa chair. Il veut qu'on parle toujours des mêmes choses. Il veut que l'Église se limite qu'à un enseignement sans croire dans la sainte doctrine. Il est gouverné par ses propres pensées. La seule solution pour décoller, ou la seule solution pour devenir un homme spirituel est l'humilité. La première étape du décollage spirituel pour des expériences glorieuses, c'est l'humilité. Le rabaissement volontaire pour connaître l'amour de Dieu et marcher de la sagesse suprême de Dieu. De tout à l'autre. Alléluia. Amen. L'homme spirituel, 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16. Qui est de comprendre le message? Balance ta main, balance ta main. Gloire à Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. L'homme spirituel fait quoi? Il juge de tout. Donc on va maintenant donner pour nous. Celui qui juge de tout là, il est parfait, oui ou non? Celui qui juge de tout, il est parfait, oui ou non? Oui. Si tu n'es pas parfait, est-ce que tu peux juger? Même les lois dit ton comment? L'homme spirituel juge de tout. Mais là, comment on appelle celui qui, ou bien, quel est l'élément qui identifie quelqu'un qui juge de tout dans la parole? C'est dans le dernier verset. Nous, celui qui juge de tout là, qu'est-ce qu'il a et qui lui permet de juger de tout? Nous, cahier au dos, ayez au démon, c'est celui qui a la pensée de Christ. La pensée de Christ. Et comment il juge? Il juge désormais. Est-ce qu'il jugera selon l'apparence? Est-ce qu'il jugera selon la vue? Est-ce qu'il jugera selon le oui dit? Il jugera comment jugera-t-il? Il jugera comment? Pardon? Il jugera spirituellement. C'est la même chose selon la parole, spirituellement. L'homme charnel juge selon la chair. L'homme charnel juge selon l'apparence. L'homme charnel juge selon le oui dit. Ce qu'il a entendu dire, il juge selon cela. L'homme charnel juge selon ses propres ambitions, ses propres intérêts. Voilà comment l'homme charnel est. Mais l'homme
l'homme spirituel, il a la pensée de Christ. Et c'est cette pensée de Christ qui lui permet de juger. Le Seigneur fait de toi un homme spirituel. Tu vivras des expériences spirituelles. Des expériences spirituelles glorieuses en Jésus. Des réalités spirituelles en Jésus-Christ. Le Seigneur, cette semaine, t'amène à ce niveau. Il t'amène à ce niveau. Mais cela se passe par l'humilité. L'homme chalet doit reconnaître qu'il n'est pas encore spirituel. Qu'il a un mélange de l'esprit et de la chair. Il doit dire à Dieu, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te découvrir encore. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous venons de comprendre deux types de sa vie. Voilà, l'homme spirituel veut le comprendre, l'homme spirituel. Il est, l'homme spirituel n'est pas charnel. Il n'est pas animal. Il est esprit. Il se nourrit de la nourriture solide. Il se nourrit des choses spirituelles. Il a quitté le lait spirituel pour atteindre la nourriture solide. L'homme spirituel, il joue de tout. Il a la pensée de Christ. Il a l'image parfaite de Christ. L'homme charnel, il est un enfant, un bébé spirituel. Jean 1, verset 11 à 12 nous dit que la parole est venue dans le monde, la lumière est dans le monde, et les saints ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, et ceux qui croient en lui, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni sur la chair, ni sur la volonté de l'homme, mais sur la volonté de Dieu. Ça, c'est l'homme. L'enfant, ça c'est le bébé. C'est la première étape. Vous comprenez? C'est sur cette première parole que tu reçois qui te donne le pouvoir de devenir enfant. Et on dit qu'il deviendra enfant. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est bien d'être enfant de Dieu. Mais est-ce qu'on sera toujours enfant? Un enfant peut-il connaître tous les secrets du Père? Est-ce qu'un enfant hérite l'héritage du Père? Est-ce qu'un enfant connaît les profondeurs du Père? Est-ce qu'un enfant connaît les profondeurs de sa famille? Est-ce qu'un enfant connaît les sources, l'origine de son foi, de sa vie, de sa famille? Est-ce qu'un enfant peut grandir tant qu'il demeure enfant? Ça, c'est l'homme charnel, le bébé, l'enfant dans le Seigneur. L'enfant en Christ doit parler à l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 10, verset 3 à 7. Il a les raisonnements, des raisonnements. Des raisonnements. Deux Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 7. Je lis au nom de Jésus. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit. Amen. Et si nous marchons dans la chair. Oui, nous marchons dans la chair. Ou bien. Notre esprit est dans la chair. Notre esprit est dans la chair. La chair, c'est l'âme et le corps. Donc notre esprit marche dans la chair. Donc quand je marche. Je marche dans la chair. Ça c'est pas un péché. Maintenant, quel sera le combat? Est-ce que mon combat sera dans la chair? Si je marche dans la chair, je ne peux pas combattre dans la chair. Nous marchons dans notre chair. Mais nous ne pouvons pas combattre ou vivre communier avec Jésus dans la chair. Selon plutôt la chair. Nous marchons dans notre corps, mais nous ne vivons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par quoi nous serons spirituels? Par quoi nous n'allons plus vivre selon la chair? Par quoi la vertu de Dieu? Les vertus de Dieu sont mentionnées dans 2 Pierre,
3, après vous allez lire. 2 Pierre 1, 1, il paraît. 2 Pierre 1. En tout cas, vous allez lire après. Là où on parle des vertus du Christ, les vertus en Jésus-Christ. Là, ça c'est dans 2 Pierre, voilà, 2 Pierre, chapitre 1. Après, vous allez lire ça. C'est des choses qui sont liées à l'homme spirituel. C'est ça les vertus de Dieu. Pour renverser les forteresses. Maintenant, pour devenir homme spirituel, voilà ce qu'il faut d'abord faire. Renverser les raisonnements. Il y a des raisonnements qui te limitent pour que tu sois bébé. Tu es dans la sainte doctrine, tu es bébé. Tu raisonnes comme un enfant. C'est parce qu'il y a des raisonnements. Il y a des hauteurs qui sont érigés en toi, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Tu dois les amener. Tu dois mener ces pensées captives à l'obéissance au Christ. Tu dois punir toute ton désobéissance de la chair et par ton obéissance. Il dit, vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est du Christ, ils se disent bien qu'en lui-même, que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. L'homme spirituel ne regarde pas l'apparence. Il juge selon les prix. C'est bon? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, un homme spirituel est un fils. Un homme spirituel est un fils. C'est un fils. Un homme spirituel. Et un enfant, c'est quoi? Vite. Ok. Gloire à Jésus. Romains 8, 15. Romains 8, 15. Romains 8, 15. Soyons rapides. Le temps. Non, pas si. Romains chapitre 8, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Reçois l'esprit d'adoption. Amen. Reçois l'esprit d'adoption. Amen. Pour être en contact avec ton Père. Amen. Pour être en intimité avec ton Père. Amen. Pour être en communion avec ton Père. Amen. Reçois l'esprit d'adoption. Amen. Un enfant n'a pas l'esprit d'adoption. Et puis là, un enfant est vu comme un bébé. Il est vu comme un enfant. C'est le fils qui hérite des promesses. Et puis nous, tu es le fils qui, après avoir été délivré, reçois l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, c'est quoi? C'est quoi l'esprit d'adoption? C'est un esprit qui permet d'être fils pour un père, pour Dieu qui est le père. Pour vivre les expériences spirituelles et glorieuses en Jésus. C'est ça, être fils. Un fils est libre. Un fils est libre. Un fils n'est pas esclave. Un fils a l'esprit d'adoption. Un fils a l'esprit. Il ne marche plus selon la peur. Mais un fils marche dans la sagesse. Cette sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et il y a un mau bon. C'est ça le fils. Et il y a une vie. Alléluia. Amen. L'homme spirituel est un fils. L'homme spirituel reçoit l'adoption et à l'image parfaite de Christ. Hébreux 5, verset 11 à 14. Hébreux chapitre 5, le verset 11 à 14. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Écoutez très bien, Église. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Hein? Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Mais parlez comment ça se met. Parce que le problème, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis. C'est vous qui êtes devenu là comprendre. Ce n'est pas les enseignements qui vous dépassent,
Vous comprenez? C'est vous qui êtes là à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous qui deviez vraiment être des maîtres, c'est quoi un maître? Qui peut me dire qu'est-ce que le maître? Un maître, c'est quoi? C'est qui un maître? Un enseignant, c'est un maître. C'est un maître, c'est un docteur ou bien un enseignant. Un maître, il est paf, il s'habille là. Lui, mais la connaissance est petite. Vous qui devrez être des maîtres, c'est ce que Jésus vous dit ce soir. Toi, qui devais normalement enseigner les choses spirituelles, tu es arrivé à ne rien comprendre. Parce que c'est des choses, ça veut dire, tu es devenu là comprendre. Donc, pas que ces choses sont des choses qui dépasse ton entendement. Mais tu as des raisonnements qui t'empêchent de comprendre. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les premiers rudiments des oracles de Dieu, là, je vous l'ai dit, c'est le béaba. C'est le premier niveau. Vous qui devriez être des maîtres dans le spirituel, dans la connaissance de Jésus, dans les réalités spirituelles, dans les mystères, dans les révélations, dans la perfection, vous êtes arrivé à avoir besoin de l'air. Et aussi, vous êtes arrivé à demander qu'on vous enseigne uniquement les premiers rudiments des rois de Dieu. Les premiers éléments des rois de Dieu. Tant que vous restez sur ces premiers éléments et que vous ne cherchez pas à croire spirituellement, vous ne serez pas des hommes spirituels. Vous serez toujours dans la chair. Quoi que vous êtes dans la sainte doctrine. Et les hommes Chanel n'hériteront pas de quoi. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous, ça décourage les prédicateurs, les enseignants. Parce que ça montre qu'eux enseignent seulement. Vous ne développez rien pour moi personnellement de votre activité. Vous ne voulez pas chercher que Jésus-Christ vous enseigne. Et les choses que le Seigneur révèle, pas les orateurs, les serviteurs, sont pour vous difficiles à comprendre. Vous n'avez pas une intimité avec Jésus. Sinon, Jésus lui-même viendra vous enseigner. Les mêmes choses qu'il les enseigne. Il vous enseignera même plus. Alléluia, continuez. Verset 13. Or, quiconque en est au lait, quiconque est aux choses terre à terre, n'a pas l'expérience de la parole de justice. Es-tu au lait? Veux-tu être au lait? Non, tu veux toujours être au lait. Avec ça, tu n'auras aucune expérience. Le thème, c'est connaître et vivre les expériences spirituelles glorieuses. Si tu es au lait, tu ne peux pas vivre l'expérience spirituelle avec Jésus. Tant que tu seras au lait, il y a des choses en Jésus que tu ne peux jamais connaître. Tant que tu seras au lait toi-même, avec des raisonnements, avec des hauteurs, avec l'incrédulité, avec le rejet, des réalités spirituelles de la sainte doctrine, tu ne peux jamais atteindre l'expérience de la parole de justice. Tu ne peux pas atteindre l'expérience de vivre les expériences spirituelles en Jésus. Veux-tu avoir des expériences spirituelles glorieuses avec Jésus? Oui. Veux-tu les avoir? Oui. Alors nourris-toi de la nourriture solide. La Bible te dit ici, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant.
Il y a beaucoup qui crient dans la sainte doctrine. Ils sont enfants. Ils sont enfants. Ils ne veulent jamais grandir. Ils ne veulent jamais. Ils n'ont même pas une vie de méditation. Ils ne méditent même pas la parole. Ils ne connaissent rien des choses spirituelles. Mais sont orgueilleux. Quand tu vois les caractères, sont orgueilleux. Très orgueilleux, arrogants. Et c'est eux qui insultent les hommes. C'est eux qui délient. Et c'est eux qui disent des choses contre les enfants de Dieu. C'est eux qui ne veulent pas grandir spirituellement. Parle mal des autres églises. Ils sont liés au lait. Pense. Déjà connaît toute la sainte doctrine. Or, c'est là, ils ne connaissent pas encore la sainte. Ils sont au lait, au premier rudiment des oreilles de Dieu. Et c'est eux qui jugent selon l'apparence. Le verset nous dit ici, quiconque allait au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est enfant, il est enfant. Un enfant est au lait. Il ne peut pas avoir d'expérience avec Jésus. Tant qu'il est lié au raisonnement, tant qu'il jugera sur l'apparence, tant qu'il jugera sur la chair, il n'a pas l'expérience de la parole. Jésus t'a appelé cette semaine pour que tu vives des expériences spirituelles et glorieuses. Mais cela se passe par l'humilité. Par l'humilité. Par l'humilité. 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 Et cela, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mais le 14, toi qui veux devenir spirituel, toi qui veux avoir des expériences spirituelles avec Jésus, lis ce que le verset te dit. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement. Faits. Les hommes faits sont les hommes spirituels. C'est les hommes faits qui sont les hommes spirituels. Les fils de Dieu, les bébés spirituels sont les enfants. Ils sont bébés spirituellement. Ils sont bébés, ils sont de la chair. Spirituellement bébés. Les hommes faits sont des fils. Sont matures. Sont responsables. Et ont une intimité avec Jésus. Et savent qu'ils ne connaissent pas encore quelque chose. Mais toujours découvrir de Jésus. Malheureusement, c'est ceux qui se croient spirituels qui sont plus orgueilleux. C'est eux qui sont de la chair. Ils sont de la chair, mais ils se croient spirituels et jugent les autres. Or, c'est l'homme spirituel qui juge. Et ce jugement n'est même pas un jugement d'apparence. Ni un jugement charnel, ni un jugement selon des oui-dits. Un jugement spirituel. Et l'Écriture nous dit que n'a pas l'expérience de la parole de justice. Bien-aimé, si tu as la parole de justice, tu vivras des expériences spirituelles. Si tu as la parole de justice en Jésus, tu vivras des expériences spirituelles en Jésus. C'est obligatoire. Ce n'est pas dire oui, je choisis. Tu dois, c'est obligé de vivre des expériences spirituelles. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Quand tu es au lait là, tu ne peux pas discerner. Hey, mais que, non, nous, tu es au lait et tu juges. On est ton jugement charnel. Ici on dit que la parole de justice là, est pour ceux qui vivent les expériences spirituelles. Parce que c'est ceux-là qui ont la parole de justice. Ils ne sont plus enfants. Mais ils peuvent, par la nourriture solide, devenir des hommes faits afin de juger, à discerner entre le bien et le mal. C'est sur la foi que le Seigneur appelle. L'homme Chanel diabolise tout. L'homme Chanel ne fait pas la part des choses. Il n'exerce pas le discernement. Et pour lui, comme ceci est interdit, tout est interdit. Tout
tout est abrogé. La sagesse, c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et nous, l'homme spirituel doit avoir le discernement. Dit, voici. Ça, c'est ça. Ça, non. Mais l'homme charnel globalise tout. Parce qu'il n'a pas le discernement. Il n'est pas en contact avec Jésus. Il connaît Jésus. Mais il est attaché à ses raisonnements. Quand les raisonnements dominent Jésus, il ne connaît même pas Jésus. Il pense connaître Jésus. Mais il ne le connaît pas. Gloire à Jésus. Alors, il faut quitter l'étape primaire. Nous sommes maintenant dans l'obligation de quitter l'étape primaire. Qui veut quitter cette étape primaire? Qui veut quitter? Qui dit Jésus, c'est fini, je ne veux plus rester à ce niveau. Qui veut quitter l'étape primaire? Qui veut voler avec Jésus? Qui veut quitter l'étape primaire? Le Seigneur te fait quitter l'étape primaire. L'état primaire. Tu dois quitter l'état primaire pour aller à l'étape élevée. À l'étape supérieure. C'est ça la vie chrétienne. C'est les escaliers. Tu montes, après tu montes. Plus tu monteras, plus tu t'approches du ciel. Tant que tu es lié au Béaba, tant que tu es attaché uniquement au lait, tu ne monteras jamais. Tu tourneras en rond. Alors trop. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut prendre conscience. La prise de conscience, ça va être indispensable. Ou bien, prends conscience. La prise de conscience, ça va être indispensable. C'est obligatoire. Tu prends conscience de ton état spirituel. Tu dois prendre conscience de ton état spirituel pour chercher, pour appeler à Jésus, pour crier à Jésus, pour espérer un renouvellement spirituel. Quitter l'état primaire, aller à l'étape parfaite. Le verset nous dit dans le livre de Hébreux 6, le verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu nous permet. Qu'est-ce que nous ferons? Nous devons laisser les premiers éléments de la parole de Christ, les premiers éléments de la doctrine. Ces éléments nous ont amenés à croire Jésus. C'est ça qu'on appelle les éléments de la foi. C'est ça qu'on appelle les premiers éléments de la foi. C'est ça que vous avez reçu. C'est ça que nous avions enseigné la dernière fois. C'est la première étape. C'est le fondement. L'Écriture dit, il faut donc les laisser. Laissant les éléments de la parole de Christ, nous devons prendre à quoi? À ce qui est parfait. À ce qui est parfait. Quand on monte l'escalier là, ou encore monter là, est-ce qu'on reste en arrière? On laisse l'arrière, on fait comme ça. C'est ça, les premiers éléments de Christ, c'est le lait. C'est le premier boutiquement, le lait. Même si on grandit là, on consomme encore le lait. Ou bien, on consomme un peu du lait. Mais est-ce que notre vie sera toujours sur le lait? Nous devons laisser l'étape du lait parvenir à la nourriture solide. C'est pas dit. Ça, c'est les premières doctrines. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Ça, c'est les premiers éléments de la parole du Christ. Croyons ça. Ça, c'est les éléments sur lesquels notre foi est bâtie. Les éléments de la sainte doctrine. Ça, c'est les premiers éléments. Selon la doctrine et selon la prophétie. Mais nous ne pouvons pas toujours lier notre vie qu'à ça. Ça montre que nous ne sommes pas encore sauvés. Ça montre que nous sommes encore sanctifiés. Nous ne sommes pas encore sanctifiés. Ça montre que nous sommes encore liés au péché. Nous devons travailler. Vous devez quitter l'état primaire pour entrer à l'état supérieur. Pour aller à l'étape parfaite. L'étape supérieure. Alors la prise de conscience est importante. C'est un point de commandement de conscience. Implique quoi? Chercher à ressembler à Jésus. L'homme spirituel
ressemble à Jésus. Jésus aujourd'hui est un homme spirituel. Vous le savez très bien. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée 2, 5, il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme, il était sur la terre. Il était en chair. Mais quand il est ressuscité, il est parti au ciel. Au ciel, il n'est plus dans la chair. Au ciel, il est Jésus-Christ homme, mais spirituel. Et c'est là qu'il est le médiateur entre Dieu et nous les hommes. L'homme spirituel est à l'image parfaite de Jésus-Christ homme. Tous les caractères que Jésus avait sur terre lorsqu'il était en chair, pendant que toi aussi tu es en chair et que tu crois en Jésus, que lui il est au ciel, tu dois avoir ces caractères. Tu dis à ton frère, tu dois avoir les caractères de Jésus. Tu dois ressembler à Jésus. Jésus doit voir en toi ses attributs. Il doit voir en nous ses caractères. Tant que nous n'avons pas les caractères de Jésus, nous ne pourrons jamais être des hommes spirituels. Tant que nous ne ressemblons pas à Jésus à 100%, tant que l'Église ne crie pas à Jésus, Jésus, je veux te ressembler. Jésus, je veux être à ton image. Jésus, contrôle ma vie. Jésus, je ne suis rien sans toi. Jésus, je veux être à ton image. 100%. Quand tu n'as pas cette prière, quand tu ne penses, quand tu ne réfléchis pas à ça, ce qui te concerne, parler des autres. Parler des autres. Tu parles des autres. Tu parles de tout le monde. Toi-même, tu ne vérifies pas ta vie. Tu ne parles qu'aux autres. Comment Jésus sera formé en toi? La prise de conscience est d'appeler Jésus, de ressembler à Jésus, de vivre comme Jésus, de vivre selon Christ. Nous sommes capables de vivre la vie que Jésus a vécue lorsqu'il était sur terre. Nous sommes capables de le vivre. Celui qui t'a dit que tu n'es pas capable, t'a menti. Il veut t'emprisonner dans la chair pour que tu rates le ciel. Nous devons vivre la vie que Jésus a vécue. Quelle vie Jésus a vécue sur la terre? Il est Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il a pris chair. Il a habité parmi les hommes. Plein de grâce, de vérité, plein d'humilité. Nous aussi, nous avons la parole. Nous habitons parmi les hommes. Jésus en qui nous croyons, il est au ciel maintenant. Il est assis à la droite de Dieu. Nous sommes sur la terre. Nous croyons Jésus, mais nous ne voulons pas vivre selon Jésus. Nous disons que nous connaissons bien Jésus, qu'il faut laisser la connaissance de Christ. Est-ce que nous disons que Christ, là, on connaît, non? Vous dites que on connaît Jésus. On connaît Jésus même. Dans notre église, là, on nous a assez Jésus. Nous connaissons Jésus. Mais quand on voit nos frères, est-ce qu'on voit Jésus en nous? Dis à ton frère, est-ce qu'on voit Jésus en nous? Est-ce que Jésus se révèle à toi? Est-ce qu'on voit Jésus? Bien aimé, tant que les païens ne témoignent pas, tout celui là est chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Je te dis la vérité. Ton témoin doit être intérieur d'abord. Avec, avant d'être public. Si ton témoignage est intérieur, et que ton esprit de Dieu témoigne, ton esprit, que tu es enfant de Dieu, le monde témoignera que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu. Si le monde ne témoigne jamais la gloire de Christ qui est en toi, cela ne veut pas dire que le monde est en train de te persécuter. Mais tes caractères révèlent qui tu es parmi le monde. En réalité, le monde a un jugement. Ça, c'est le premier niveau du jugement. Le jugement sur l'homme naturel. Sur l'esprit de l'homme. L'homme naturel juge sur l'homme. D'abord, le jugement sur l'homme. Quoi qu'il n'est pas le vrai jugement selon l'esprit, une étape qui conduit au jugement selon l'esprit. Pourquoi? Quoique le jugement selon l'homme n'est pas tant fait comme le jugement selon l'esprit, ce jugement est une étape qui nous amène au jugement.
C'est-à-dire, ils ne sont pas spirituels. S'ils sont spirituels, si tu es spirituel, ils sauront. Si tu es spirituel, ils te le diront. Ou bien, allô? Mais je vais dire autre chose. Ah, vous même Pierre, vous connaissez le verset. Vous êtes voyageur étranger sur la terre. Il est dit quoi? Vous devez avoir un bon comportement dans le monde. Lorsqu'ils voient vos bons. Même si vous calomniez, vous reniez qu'il voit vos bons yeux, il glorifie Dieu. Au jour il les visitera. C'est pas ton caractère que le monde pourra recevoir Jésus. C'est pas toi que le monde pourra recevoir Jésus. Tu es qui caractère pour Jésus, tu sais. Si tu es spirituel, le monde te dira. Qui est là, tu es de Jésus. Non, Dieu vous dit que donc c'est le monde qui témoigne maintenant. Si le monde me réunit, ça montre que je suis à Jésus. Ça, c'est le premier niveau. C'est que lorsque tu veux recevoir Jésus dans ta vie, le monde t'a rejeté. Maintenant, quand tu as train de vivre Jésus, maintenant que tu vis la vie de Jésus, le monde doit voir la lune. Le monde marchera à ta lumière. Tu seras le sel de la terre. Comment tu te rejeteras si tu es le sel de la terre? La lumière du monde. Le monde a besoin de toi pour t'éclairer. Qui on appelle pasteur ici? Le monde dit pasteur, quelle image? Il dit pasteur. On t'appelle pasteur à la maison. Ils ont pris en toi que tu es le caractère de Jésus. Qui on appelle pasteur ici? Qui on appelle prophétesse à la maison? On appelle pasteur, prophétesse. Parce qu'ils ont pris en toi le caractère de Jésus. C'est ce qui avait poussé les Juifs à appeler les premiers disciples chrétiens. Mais combien vous connaissez cette histoire ici? Ceux-là sont des chrétiens. Parce qu'ils ont vu en eux le caractère de Jésus. Ils ont vu en eux le fruit de Jésus. Alléluia. Donc, chrétien semblable, parfaite, mais tu es bien, tu es bien, pour décoller, il faut l'humilité. Quel ton frère, pour décoller, pour vivre les expériences de Dieu, il faut l'humilité. L'humilité, c'est quoi? L'humilité a plusieurs définitions. L'humilité est la première étape. Tu veux monter? Tu veux monter, non? Descends d'abord. Dis à ton frère. Tu veux monter? Descends d'abord. Ceux qui montent sans descendre sont ceux qui descendent pendant qu'ils montent. Plusieurs là, ils montent. Ils ne sont pas encore descendus. Mais ils montent. Mais quand ils montent, ils descendent au lieu de capter le sang. Si tu montes sans Jésus, il te laissera un peu monter. Il te fera descendre avec honte. Beaucoup ont cherché nos chemins. Ils ont vu que la vie spirituelle est compliquée. Elles se sont maintenant liées au raisonnement du marché. On dit qu'ils ne prônent que la satisfaction de l'homme extérieur. Qui me comprend ça? Ils veulent monter. Ils ont vu que c'est difficile de vivre spirituellement. Ce n'est pas compliqué de vivre spirituellement avec Jésus. Mais c'est le raisonnement qu'il faut qui rend cela compliqué. C'est l'orgueil de l'homme qui l'empêche de vivre selon Christ, de vivre selon la vie de Jésus. Parce que c'est difficile à l'homme charnel de vivre les choses spirituelles ou de recevoir les choses spirituelles. Il crée son propre couloir. Jésus, nous te mettons de côté. Toi, reste là-bas. On commence à organiser ces choses sans Jésus. Une église peut dire Jésus, mais que Jésus n'habite même pas dans le cœur de tous ceux qui crient Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, vous l'avez connu, les sept églises d'Asie, ou bien? Vous connaissez les sept églises d'Asie? Comment ces églises ont vécu?
L'église de Fès criait Jésus. Jésus. Mais Jésus dit. Il dit quoi? Il dit quoi à l'église de Fès? Pardon? Vous n'étudiez pas la parole? Tu as abandonné ton? C'est quoi le premier amour? C'est le premier niveau. C'est l'un des niveaux de décollage. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur transforme nos vies. Tu quitteras cette étape de bébé. Tu grandiras. Avant d'être élevé là, tu dois être abaissé. Avant de monter, tu dois descendre. Avant de grandir, tu dois être enfant. C'est l'humilité. Psaume 25, verset 9. Psaume chapitre 25, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Amen. Écoute. Jésus enseigne, le Seigneur enseigne aux humbles sa voix. Le Seigneur enseigne, c'est aux humbles qu'il enseigne sa voix. Ça montre qu'aux orgueilleux, il enseigne sa voix. Quand tu es orgueilleux là, ne dis pas que c'est l'autre. C'est de toi, c'est toi, c'est, on parle de nous. Ah, ou bien, l'orgueil, il est ailleurs. Quand on dit souvent orgueilleux là, vous posez le droit. Non. Tu dois savoir que. L'humilité commence par la reconnaissance de son orgueil. Nous sommes orgueilleux. Nous devons être. L'humilité est obligatoire pour atteindre les réalités spirituelles avec Jésus. Des espérances spirituelles avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'humilité, c'est quoi? Je ne connais rien. Sans Jésus, je ne peux rien. Sans Jésus, je ne sais rien. Sans Jésus, je ne fais rien. Sans Jésus, je n'existe pas. Je ne peux rien faire sans le Christ, sans Jésus. Même si les autres sont mauvais, ça ne me concerne pas. Même si on m'offense, ça ne me dit rien. L'humilité, je marche sur mon chemin sans voir comment les autres marchent. L'humilité, c'est fouiller ma propre vie. L'humilité, c'est de voir ma propre vie sans voir celle des autres. L'humilité, c'est l'acceptation de la connaissance. L'humilité, c'est la science de Dieu. L'humilité, c'est de descendre. L'humilité, c'est de savoir que tes efforts ne peuvent rien faire pour t'amener à droite avec Jésus. L'humilité, c'est d'aller étape par étape. L'humilité, c'est de voir sa position de gloire, d'autorité et devenir un simple homme. C'est ce que Jésus, notre Dieu, a vécu. Il a dit, il n'a pas regardé ça. La poids est égale à Jésus. Mais il s'est dépouillé lui-même. Devenir un seul. L'humilité, c'est de servir les autres. L'humilité, c'est de glorifier les autres. L'humilité ne fait, ne juge, ne détruit pas les autres. L'humilité dit, moi-même, je peux faire cette erreur. L'humilité dit, chacun a reçu son droit. L'humilité dit, ce qui a. Je n'ai pas. L'humilité dit, je peux l'écouter. Il a quelque chose que je n'ai pas. Je vais recevoir ce qu'il a. Est-ce que vous me comprenez? L'humilité est concentrée sur sa vie. L'humilité ne veut pas savoir si l'autre est comme ça, comme ça. Jésus est comme ça. Jésus était humble. Il était humble, monté même sur un âne, le petit, d'une ânesse même.
La Bible dit dans Philippiens 2, verset 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? Je vous dis la vérité. Pour être un homme spirituel, pour vivre les expériences spirituelles et glorieuses en Jésus, il faut commencer par l'humilité. L'humilité est le premier niveau de décollage spirituel de chrétien. L'humilité est le premier niveau. L'humilité est la première étape. L'humilité est le premier niveau. Après l'humilité. Même avant ça, le verset dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui n'a pas vu ça, la poire s'arrachait d'être égal à Dieu, s'est humilié lui-même, devenu un simple homme. Il a participé à la chair, devenant un simple homme. Et parce qu'il s'est humilié, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, tu veux être grand, humilie-toi. L'humilité me dit, Seigneur, je ne te connais pas. Quand tu sais que tu connais quelque chose, tu ne connais encore rien. Parce que Christ est dans quatre dimensions. Longueur, largeur, hauteur, profondeur. Peut-être que tu ne connais pas longueur. Tu ne connais pas encore hauteur. Tu ne connais pas largeur. Tu ne connais pas encore en profondeur. Humilie-toi. Et sache que tu, l'humilité a de tout. L'humilité discerne tout. L'humilité apprend tout. L'humilité ne s'enorgueille pas. L'humilité, c'est que Dieu utilise n'importe qui pour nous conduire à la connaissance. L'humilité, dans cette recherche de la connaissance, a aussi le discernement. On dit ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Je pense que l'esprit m'enseigne. Dès que tu diras, non, je n'ai pas besoin des choses, je n'ai pas besoin de croire spirituellement, ça me suffit déjà. J'ai dans l'essentiel. L'essentiel, c'est bien. C'est bon déjà. Tu ne pourras jamais vivre les choses qui sont en Jésus-Christ. L'humilité est indispensable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Sans l'humilité, il est impossible à un homme de grandir dans la connaissance des choses spirituelles. Impossible donc de vivre des expériences spirituelles et glorieuses en Jésus. Avant de monter dans la hauteur, il faut descendre. Avant d'être élevé, il faut se rabaisser volontairement. C'est pourquoi Éphésiens 4, verset 9 dit, que signifie il est monté. Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Le même qui est descendu, le même qui est monté. Jésus est descendu avant de monter. Tu dois descendre avant de monter. Et là, pour devenir un homme spirituel, il doit accepter à gagner des choses nouvelles. Par exemple, tu gagnes des choses nouvelles, tu dois aussi accepter perdre des choses. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui cherche à devenir un homme spirituel doit perdre des choses. Pendant qu'il perd ces choses, il gagne de nouvelles choses. L'humilité, c'est l'étape qui nous permet de perdre plusieurs choses pour recevoir l'amour est ce qui nous permet de recevoir de nouvelles choses. L'humilité nous fait perdre beaucoup de choses qui nous empêchent d'être spirituellement grand. L'amour nous amène plus à découvrir de nouvelles choses qui nous permettront d'être spirituellement grand. Et nous disons aussi, pour grandir spirituellement, il faut l'intelligence et la sagesse. L'intelligence te permet d'acquérir la connaissance. La sagesse te permet de perdre les mauvaises connaissances pour grandir spirituellement. Acclame Jésus. Qui veut grandir spirituellement? Qui veut grandir spirituellement? Qui veut grandir spirituellement? L'humilité est la première étape. Maintenant, nous avons le fruit de l'esprit. Après l'humilité, le fruit de l'esprit. Lisez-moi Galates 5, verset 22. Nous sommes presque à la fin. Galates chapitre 5, le verset 22.
Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, non, non. La joie, l'amour. Non, non. L'homme spirituel cultive. Si tu veux être un homme spirituel, commence par cultiver l'amour. Parce que si tu as reçu Jésus, Jésus te donne le fruit de l'esprit. Tu as le fruit de l'esprit, mais lorsque tu es homme charnel, tu commences à manifester les fruits ou les œuvres de la chair. Alors, commence par manifester l'amour. Le premier niveau, c'est-à-dire après l'humilité, le premier fruit ou l'élément même principal, c'est l'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience. Vous voyez, un homme spirituel, doit c'est quelqu'un humble, quelqu'un qui aime, qui est toujours joyeux, il est toujours patient. La paix. Il est toujours dans la paix. Il est toujours dans la paix dans son entourage. La bonté. La bénignité. Il construit toujours la bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. Voici un homme spirituel. Il cultive l'amour. L'amour, c'est le premier. C'est le fruit de l'esprit. Ça commence par l'amour. Pourquoi? Parce que d'abord, Jésus est amour. Jean nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si nous aimons Jésus et que nous ne méritons même pas être à l'image de Jésus et qu'il nous aime premièrement, que devons-nous faire aussi? Nous devons aussi l'aimer. L'amour est le premier indispensable. Si tu aimes, tu ne peux pas faire du mal. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Si tu aimes ton prochain, tu dois pardonner. Si tu aimes, tu dois pardonner. L'amour pardonne. L'amour aide. L'amour ne fait pas du mal. Parce que si nous disons que nous aimons Dieu et que nous n'aimons pas nos frères, nous n'avons pas l'amour. L'amour, c'est le premier fruit. Après la joie. C'est ça, oui. Tu dois être toujours joyeux. Cultiver la joie. La paix. Cultiver la paix. La patience. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. Bien aimé, vous devez savoir quelque chose. Les dons spirituels, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Parce que beaucoup, quand on dit, beaucoup, quand ils prient là, ils ne demandent jamais les choses spirituelles. Ce qu'ils demandent d'abord, c'est les dons spirituels. Je vous explique d'abord quelque chose. Les dons spirituels là, c'est les dons spirituels qui font de nous des hommes spirituels. Ce n'est pas parce que tu prophétises, ce n'est pas parce que tu guéris, ce n'est pas parce que tu chasses des démons, ce n'est pas parce que tu discernes les choses spirituelles, tout ça, mais ce n'est pas parce que tu donnes des paroles de connaissance et tu as même temps spirituel. Beaucoup se sont trompés. Et quand on vous dit de chercher les choses spirituelles, vous mettez à genoux, vous commencez par demander les dons spirituels. Jésus là, d'abord, ce n'est pas les dons spirituels qui portent. Quand nous recevons Jésus là, Dieu ne nous donne pas même temps les dons spirituels. Il nous donne d'abord le fruit de l'esprit. En réalité, le fruit de l'esprit, c'est le fruit que tu portes lorsque tu reçois la parole, lorsque tu deviens, tu es en train de marcher étape par étape pour devenir un homme spirituel. C'est ça le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Voilà comment beaucoup sont dans la distraction. Ils se sont limités qu'aux dons spirituels. C'est pas juste dire, je ne te connais pas. Ouvrier, je ne vous connais pas. Dehors, vous prophétisez à mon nom, vous êtes des démons, mais vous n'êtes pas spirituel. Je ne vous connais pas. Parce que beaucoup pensent que c'est les dons spirituels qui font de nous des hommes spirituels. Pour être des hommes spirituels, il faut d'abord chercher le fruit de l'esprit. Les dons spirituels ne sont pas d'abord la priorité d'un chrétien qui cherche à grandir spirituellement Jésus. Pourquoi? Les dons spirituels sont donnés pour le corps de Christ, pour aider les autres. Mais
Les dons spirituels ne t'aident pas pour ta propre croissance spirituelle. Ce qui nous booste pour notre propre croissance spirituelle, c'est le fruit. La nourriture spirituelle, le fruit de l'esprit. C'est bon? Alléluia. Amen. Le fruit de l'esprit nous donne, nous amène à la croissance spirituelle. Ce n'est pas seulement le fruit de l'esprit, mais il y a aussi d'autres réalités. Mais tu ne peux pas chercher, si tu cherches tous les dons spirituels, tu ne peux pas croire spirituellement. Parce qu'il faut d'abord être spirituel avant de manifester les dons spirituels en Jésus. Alléluia. Amen. Donc les dons spirituels ne sont pas d'abord la priorité que nous devons chercher. Les dons spirituels sont importants. C'est important. Mais elles édifient les autres branches du corps. Par contre, le fruit de l'esprit est un niveau. C'est-à-dire, c'est un niveau principal qui nous conduit à la croissance spirituelle, qui nous conduit à vivre les expériences spirituelles en Jésus. Éphésiens 3, 14 à 19 nous dit, l'apôtre prie pour l'église d'Éphèse, que l'église connaisse l'amour de Christ, que Christ soit fondé dans le cœur, en longueur, en hauteur, en largeur et en profondeur, qu'il connaisse l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Tu le vois spirituellement. Tu veux voir les mystères de Jésus. Tu veux vivre les expériences spirituelles. Tu dois avoir l'amour de Jésus. Tu dois aimer Jésus. Jésus doit habiter en toi. Tu dois vivre la vie de Christ. Tu dois cultiver la paix, la joie, l'amour. Tout ce fruit. Maintenant, à part l'amour, il y a une autre qu'on appelle la sagesse. L'amour là, c'est le type de tout le fruit de l'esprit. Non, non, là, c'est le premier. Si tu as l'amour, tu as tous les autres fruits. Quand tu as la sagesse, tu as tous les autres caractéristiques de cet esprit. Alors nous disons, l'amour, avoir le fruit de l'esprit, c'est bien. Ça te cultive spirituellement. Mais il y a aussi les sept caractères. Ou les sept caractéristiques du Saint-Esprit que tu dois aussi avoir pour grandir spirituellement. Ésaïe 11, vous connaissez très bien ce verset. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Ici, vous finissez d'abord. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est bon. Ok. Ici, là, vous allez comprendre que tous ces éléments cités là, sont différents des dons spirituels. Les dons spirituels, je vous ai dit que les dons spirituels, c'est pour les membres du corps. L'esprit de sagesse là, ce n'est pas la parole de sagesse. La parole de sagesse est dans l'esprit de sagesse. Tu peux manifester la parole de sagesse sans toi-même vivre la sagesse. Alors, si nous voulons grandir spirituellement, demandons l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse perfectionne notre propre vie. L'esprit de sagesse édifie nous-mêmes. Qui veut comprendre? L'esprit de sagesse là, ce n'est pas pour les autres d'abord. Mais la parole de sagesse est pour les autres. Mais si tu as l'esprit de sagesse, ta propre vie est harmonisée spirituellement pour aider les autres. Est-ce que vous me comprenez? Donc les neuf fruits, les neuf éléments constituent qui forment le fruit de l'esprit, contribuent à la croissance, c'est-à-dire à la croissance de l'esprit. Et aussi les sept attributs ou caractéristiques du Saint-Esprit nous amènent aussi à la croissance spirituelle. Donc la sagesse nous grandit spirituellement. Nous-mêmes. L'esprit de sagesse, nous avons besoin de ça. De intelligence, c'est ça non? Nous avons aussi besoin de l'intelligence. Toi, l'esprit de conseil, nous avons aussi besoin du conseil. Esprit de force. Vous avez aussi besoin de la force. Esprit de connaissance. Pour monter, nous avons besoin de la connaissance de Christ. Cette connaissance n'est pas la parole de connaissance.
tu peux avoir la parole de connaissance. Attends aussi, je sans avoir connaissance de Christ. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est mieux de chercher les éléments qui contribuent à votre croissance personnelle, spirituelle, que de courir derrière les dons qui contribuent pour le corps de Christ. Il faut d'abord que moi, ma propre vie spirituelle soit formée, édifiée, construite avant de chercher les dons qui contribueront pour les autres. Parce que si ta vie spirituelle est mal bâtie, les dons spirituels, tu le feras, mais ça n'aura aucun fruit. Et Jésus te dira, tu as chassé les démons, tu n'as pas l'amour, tu as encore la reine, tu as le zèle amer, tu n'as pas la sagesse, tu vis dans le désordre, mais tu fais les choses spirituelles. Tu utilises les dons spirituels, mais ta vie n'est pas exemplaire. C'est pourquoi chercher d'abord les neuf éléments qui sont le fruit de l'esprit et chercher aussi le sept esprit de Dieu. C'est ça la prière que vous avez. Alléluia. Amen. Maintenant on dit la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Ou bien maintenant vous allez remarquer par connaissance dans le livre d'Ésaïe 11:2 on met la sagesse comme premier élément caractéristique du Saint-Esprit dans notre vie et on met la crainte de l'Éternel comme dernier élément. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu est le commencement. Donc le but de ces sept éléments c'est de nous amener à la crainte de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le but c'est de nous amener à la crainte de Dieu. Maintenant, nous ne pouvons pas avoir la crainte de Dieu sans au préalable la sagesse. C'est quoi? Chercher à vivre la sagesse. Et vous vivrez sur la crainte de Dieu. Maintenant, alléluia. Amen. Donc nous pouvons déduire ceci. Écoutez très bien. Ceux qui font spirituellement un homme, ceux qui font spirituellement un homme, est l'amour. Or l'amour, c'est le premier élément qui est le fruit de l'esprit. Mais ce qui construit spirituellement un homme qui est fondé dans l'amour est la sagesse. Parce que la sagesse est le premier, la première caractéristique du Saint-Esprit. L'amour, c'est l'avion. L'amour de Christ. Et l'amour envers nos frères est l'avion qui nous fait décoller spirituellement en Christ. Mais l'esprit de sagesse est le carburant de cet avion qui alimente cet avion pour une croissance spirituelle supérieure et parfaite. Ce qui veut dire que le fruit de l'esprit, c'est le fondement qui nous amène spirituellement à expérimenter les choses glorieuses en Jésus. Mais les sept éléments qui sont les caractéristiques du Saint-Esprit sont comme le carburant. Donc tu peux avoir le fruit de l'esprit sans avoir les sept. Mais si tu as le fruit de l'esprit, ça te pousse à chercher les sept autres. Et les sept autres viennent s'aimer à toi. Mais ça fait 9 plus 7, ça fait combien? 6 plus 1, ça fait combien? 7. C'est la perfection à travers Jésus. Notre fruit de l'esprit. Notre fruit de l'esprit. Et 7 caractéristiques du Saint-Esprit. Les deux font 16. 6 plus 1, 7. Le chiffre de la perfection. Ce qui montre que un homme spirituel est un homme qui tente à ce qui est parfait. Selon Hébreux 6. Alléluia. Pour être parfait, il faut faire quoi? Il faut vivre selon les 9 fruits de l'esprit. Il faut les cultiver dans sa vie. Et il faut aussi cultiver les 7 caractéristiques du Saint-Esprit. Alors, demandez à Jésus. Jésus, donne-moi la connaissance. Donne-moi la sagesse. Jésus, je veux vivre l'amour, la joie, toutes ces choses. Quelles sont ces choses? Tu es l'homme spirituel. Quand tu as tous ces 9, plus les 7, qui font 16, 6 plus 1, qui font 7, tu deviens un homme spirituel. 7 est le chiffre de perfection. Alléluia. Maintenant,
que tu connais ces choses. Tu connais le fruit de l'esprit. Tu connais les caractéristiques. Non, pas plus ça. 16 plus 1. Ça fait Alléluia. Donc, l'amour est le premier du tout. J'ai déjà dit toutes ces choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenant couvrir tout? La connaissance. Je vous ai dit là, généralement. La connaissance est un moyen de devenir un homme spirituel. Pour vivre des expériences spirituelles glorieuses. C'est pas la connaissance maintenant. C'est pas la connaissance. Que celui qui a l'amour, et qui est fondé dans l'amour, qui vit dans la sagesse, peut maintenant croître spirituellement, étape par étape. Daniel 12, verset 4. Moi, mais je lis Daniel 12, 4. Daniel, tiens secret de ces paroles. Daniel, et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Acclame Jésus, dis c'est moi. Voilà, lis le dernier passage nous allons le lire. Colossiens 1, le verset 9 à 11. Colossiens 3, 1, le verset 9 à 10, à 11. 1. Colossiens chapitre 1, le verset 9 à 11. Je lis au nom de Jésus. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence oui. spirituelle. La connaissance de sa volonté, c'est l'amour qui donne cette connaissance. Maintenant, la sagesse et l'intelligence spirituelle sont aussi là. Hein? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. En faisant quoi? Portant des fruits. Vous voyez, les fruits sont encore là. Les fruits sont liés à la croissance spirituelle. Un homme spirituel est se nourrit du fruit de l'esprit. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Oui, il y a dit que c'est la connaissance de Dieu qui donne la croissance spirituelle. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Oui, les expériences glorieuses. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Alléluia. Amen. Donc nous disons par là. Que le fruit de l'esprit est la nourriture de l'homme spirituel. Les sept ou bien les neuf fruits ou bien les neuf éléments qui sont le fruit de l'esprit sont la nourriture de l'homme spirituel. Et les sept caractéristiques du Saint-Esprit constituent l'eau de l'homme spirituel. Plus tu manges l'amour, tu dois boire la sagesse. Plus tu manges la joie, tu dois boire l'intelligence. Plus tu bois la patience. Plus tu manges la patience comme un fruit. Bois encore quoi? Conseil. Le conseil. Parce que de la patience, il y a le conseil. Tout est lié. La bonté est liée à l'amour. La fidélité. Tout ça. Tout doit vivre selon tout ça. Donc, neuf fruits. Qui forment un seul fruit de l'esprit. Plus sept éléments du Saint-Esprit. Ça fait combien? 16. 6 plus 1. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel, pour être homme spirituel, il faut le fruit de l'esprit plus cet esprit de Dieu. Voilà le message d'aujourd'hui que le Seigneur t'aide à l'appliquer. Par là, tu seras un homme spirituel. Par là, le Saint-Esprit te visitera. Par là, tu vivras des expériences spirituelles. Lève-toi. Acclame Jésus.